nous prie. Dieu de grâce et de miséricorde, encore nous remercions pour le privilège qu'on accorde nous. Nous demandons durant ces quelques minutes que nous allons parler avec le peuple. Nous demandons d'une façon spéciale, utilisez-nous pour la gloire de ton nom, que tout ça qui dit là, capable de glorifier et lever nos prières au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, en aller, dimanche dernier, nous t'ai commencé à parler de quelques raisons qui font l'important pour nous non seulement réunir en tant qu'église ensemble, mais pendant la semaine pour nous réunir dans un contexte qui pipiti en tant que famille. En aller, moi combien de monde qui songe dans notre qui première raison nous dit comme ça qui est extrêmement important. Nous toujours dans Matthieu chapitre 10, le verset 1er, nous t'ai gardé monde qui songe en raison, qui première raison? Première raison, c'est ça? Mm-hmm. Donc cela veut dire c'est un contexte réel pour des amitiés, n'est-ce pas? Relation amitié qui réelle. Nous te dit comme ça que zami dans la vie font grande différence. Zami capable ralo monter comme ça tous zami caralo descendre. C'est pas ça? Gen moun qui rive docteur, ingénieur, avocat dans le ministère, pasteur, etc., etc. parce que yo te jeune zami qui a fait bon bagage. Et puis yo dit si moun ça a fait faut l'école, faut me faire faut l'école tout. Si zami ça a vivre de la sanctification, bam vivre de la sanctification tout. Si zami ça la boum pour parler anglais bien, pour parler français bien, et bien bam lever pied. Et bien moun ça encourage pour faire bon bagage. Quand ça tout gen moun qui tombe dans mauvais bagage, c'est à cause de mauvais amis. Puis fort moun qui tombe dans dehors, son ami qui t'introduit, qui t'est balti joint marijuana, il dit qu'on soit pour soit pas essayer. En pile moun qui tombe dans cigarette, c'est zami qui t'est bon cigarette. En pile monde qui tombe dans boue, eh bien son ami qui commence au boue et puis finalement détruit la vie. Donc yon ami capable ralo monter ou bien capable ralo descendre. L'on fait partie de yon maison de prière, eh bien ou gen chance pour faire ami avec des chrétiens, moun qui sous servi bon Dieu, moun qui sous la prière, moun qui a cherché bon Dieu. Donc l'on kon sa au lieu ou alan de yon, peut-être dans le travail, peut-être dans le contexte, ou al fait yon ami qui doit pas bon pour vous, ou j'aime des frères et sœurs dans l'église qui aime bon Dieu, qui a fait chemin, qui est capable et d'eau pour qu'on continue à faire chemin. C'est pas ça? Donc, amitié, son gros bagage lié dans la vie. En pile fois, amis nous, qui ont plus influence sur la vie nous que même parents. C'est pas ça? Donc, cela veut dire, lorsqu'il y a bons amis dans la vie, son gros bagage. Donc, nous encourageons pour faire partie de maison de prière ça, parce que c'est là qu'on va joindre des amis, des hommes et des femmes de Dieu qui sont capables d'amis avec eux, qui encouragent pour mener la vie chrétienne. Qui deuxième raison nous t'a encore? Pour capable aider exactement faire face à certains besoins qui est extrêmement important. Donc nous t'ai parlé de ça, il a parlé de ça un petit peu encore, mais conseil de besoins qu'on gagne, c'est place idéale. Donc on connaît la maison de prière yo, et bien il y a quelques fois il y a quelques monde qui connaît quelques urgences, gagne ces urgences financières, gagne ces urgences en famille bal crasé, gagner cette urgence dans la prière, et bien côté HPO, mettez tête ensemble, que c'est un monde financièrement qui était un moment qui était très très difficile, et bien, vous mettez là chaque monde vient, vous mettez un bagage, et puis vous soutenez moun ça, que c'est un monde qui était l'hôpital, et bien, tout mettez ensemble pour vous capable d'aller moun ça, que c'est un monde mariage, et bien, t'es en péril, et bien, vous mettez pour vous capable de mettre ensemble pour vous prier pour famille. Hein? Donc, c'est un meilleur côté, on série de besoins, vous adressez place idéale pour faire face à une série de nécessités. Quelle autre raison encore de te dire? C'est qui ça? La parole de Dieu. Nous t'ai parlé de ça. Cela veut dire que je dois dire tout samedi là, mais lorsque nous rencontrons un petit groupe, c'est plus facile pour digérer la parole. Est-ce que vous avez même? Même dans l'école, vous dites ça, en éducation, vous dites ça. Tant que vous classe pipiti, c'est tant qu'il est vieux plus apprendre. C'est pas ça? C'est même gentil, la parole de Dieu. C'est bon lorsque la parole de Dieu a prêché devant des centaines de personnes comme ça. Mais cependant, nous plus digérer la parole de Dieu. Laissez 3, 4 mots, nous avons chance. N'a posé question, n'a fait interaction, n'a connecté le son avec quelque bagage qui était passé dans la vie nous, ou bien passé dans la vie de l'autre monde. Ça veut dire le son a plus imprégné nous. Et tant qu'il imprégne nous, qu'est-ce qu'il fait? Il transforme nous. Parce que la Bible dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et comment l'intelligence est renouvelée? Par la parole. C'est pas ça? Qui l'autre encore? Qui l'autre place il y a encore?
pour agrandir, pour capable mettre en pratique votre foi chrétienne. C'est pas ça? Donc cela veut dire dans la maison de prière, yo, la parole pas seulement prêchée, mais nous avons chance pour mettre la foi nous en pratique. C'est pas ça? Donc nous avons droit à faire une leçon là. Vous comprenez moins? Donc nous te dit nous avons droit à faire une leçon, prêchons un message sous rancune, n'est-ce pas? Donc bon, ici y a autant de nous. Mais nos petits groupes, cela veut dire pendant que nous gagnons chance pour nous discuter, pour nous parler de rancune, eh bien, nous avons une belle opportunité, eh bien, pour nous capables de rencontrer, pour capable de dire, bon, moi-même, je suis en difficulté pour me pardonner, Mounsa. Eh bien, Mounsa a une chance pour nous prier avant, camper avant dans la prière, n'est-ce pas? Et puis, pour capable de laisser Mounsa aller. Mais ça qui est belle, et là-dedans, ok, que je vais parler de lui, mais small group permet un contexte qu'on relie accountability. Donc cela veut dire, on garde après son message là, ou garde apprendre, ou garde pas apprendre, ou garde mettre la pratique, ou mettre la pratique, mais l'on mettait dans le contexte HP, l'un fin prier si son superviseur a un problème avec ou pas de pardonner, et bien semaine prochaine, on a bien chance pour rencontrer même Mounsa encore et y a demandé comment ça y est avec superviseur la semaine là. Est-ce qu'on avait même une question que m'pap ka poser le dimanche matin. Tandis que si grande question ça, c'est lui qui va l'encourager pour avancer, n'est-ce pas, dans la relation avec mon Dieu qui est extrêmement important. Et moi, la semaine dernière, n'est-ce pas, nous t'ai parlé de la prière, n'est-ce pas? Nous t'ai dit quoi ça, la prière est beaucoup plus forte, est beaucoup plus impactante lorsque nous faisons partie de groupe Zion. Nous voulons seulement avoir quelques autres raisons encore, pendant que nous avons préparé nous pour la semaine prochaine, si Dieu veut, pour la grande célébration. La grande célébration pour nous commencer la première série. Hein? Mais nous avons quelques autres raisons encore. HP. Nous songez alors on regarde le texte là qui est extrêmement important. Regardez Matthieu chapitre 10 verset 1, OK, maison de prière ça que nous les HP houses of prayers, OK. On nous lit ensemble, dit puis ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Puis ayant appelé les 12, nous remarquons que Jésus-Christ a une habitude pour te prêcher à des multitudes. Mais Jésus-Christ, quand ça tout, a un groupe qui est pipiti. Jésus, a les deux. Tu as un grand groupe qui a des milliers de personnes. Et puis, tu as un groupe qui est pipiti. Côté le réunion, cela veut dire que ça, tu as fait avec les 12. Eh bien, pas de faire avec 5000 personnes, 20000 personnes, 30000 personnes. C'est même surtout ça, ça n'est capable de faire, ça n'a fait le matin là, nous pas qu'à faire avec un groupe de 12, et ça n'a fait un groupe de 12, nous pas nécessairement qu'à faire non dimanche matin. Pour ça, pour profondeur que nous avons cherché dans la vie chrétienne, lui mandé un groupe qui est beaucoup plus restreint. Donc, idée, un small group là, idée, cellule, idée, un petit groupe de personnes que vous avez enseigné, qui a grandi la foi, sont idées qui revenir à Jésus-Christ lui-même. Maintenant, je voulais faire un bagage qui est très très clair. Ça ne veut pas dire que nous devons seulement réunir un petit groupe parce que il y a un mouvement qu'on y a dans le monde. Côté monde seulement réunis, il n'y a pas à l'église encore. Il y a seulement réunis un petit groupe. Donc, il n'y a pas que l'église supposée exister. C'est pour chaque monde un petit groupe de 7, 8, 12, etc. La caillou, c'est ça seulement supposé gagner. Si il y a un monde qui fait ça, ou tomber dans l'opposé de l'autre erreur. Il y a deux erreurs. C'est erreur, une grande église qui se réunit, et puis avec des milliers de personnes, et puis un monde par contre l'autre, ça c'est son premier erreur. L'opposé de l'erreur, c'est un petit groupe monde, 7 avec 8, et puis qu'on a eu pas jamais fait partie d'une grande assemblée, et bien groupe ça, finalement, vu tout un petit club. Est-ce qu'on avait même? Il oublie qu'il fait partie de un corps, il oublie qu'il fait partie d'un royaume. Donc ça veut dire quelque chose, 7 titis, 7 titis, 8 personnes qui rencontrent là, ils ont rencontré, ils ont plaisir ensemble avec cet exemple, et puis pour eux, c'est ça que l'église de Jésus-Christ. Est-ce qu'on a même, hein? Donc cela veut dire, Jésus-Christ, c'est les deux. Hein? Jésus-Christ est qu'on prêchait la multitude, nous, Welly, dans Jean chapitre 6, etc., de la prêcher 5000 hommes, mais qu'on s'est tous réunis avec les 12. Même Jean, tous les apôtres, ils étaient qu'on réunit la grande foule, et puis ils étaient qu'on réunit de maison en maison. Donc nous-mêmes, dans Tabernacle de Gloire, nous voulons suivre ce modèle biblique. Le dimanche, nous avons chance pour nous tous réunir ensemble. Les mercredis, nous tous réunir ensemble. Et puis, durant la semaine, nous rencontrer un petit groupe. Côté nous arriver, nous profondeur qu'à pénétrer, que nous n'avons pas qu'à pénétrer dimanche matin. Est-ce que ça va? Jusqu'à présent, tout le monde comprend le concept là, c'est pas ça?
Donc, Jean, la Bible présentée là. Maintenant, un petit groupe, qui ça nous capable de faire qui est intéressant? Premièrement, un petit groupe, c'est place idéale pour nous mettre, entre guillemets, pour nous mettre les uns les autres en pratique. Marqué, entre guillemets, pour nous mettre les uns les autres en pratique. Chers amis, par contre, si j'aime qu'on arrive lorsqu'on appelle la Bible, pour garder pour un, combien de versets dans la Bible qui parlent les uns les autres? Nous pas jamais tomber sur verset dans la Bible. Ben moi quelques versets qu'on compte tomber sur lui pendant appeler dans la Bible ou bien phrase ou tomber sur lui les uns les autres dans la Bible, l'appeler. Aimez-vous les uns les autres, extrêmement important. Qui l'autre qu'on nous connaît? Servez-vous les uns les autres. Encouragez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Etc. etc. Exprimez, honorer les uns les autres. Si vous regardez dans la Bible, vous tombez sous une vingtaine. Ou à peu près 20 à 21 commandes que bon Dieu m'a. Aimez-vous les uns les autres. Servez-vous les uns les autres. Honorez-vous les uns les autres. Priez pour vous les uns les autres. Etc. La Bible montre nos devoirs les uns envers les autres. Mais dimanche matin, l'homme vini, nous pas réellement de chance pour nous faire ça. Ça y est, toutes deux. Pratique les uns envers les autres. Là, le dimanche matin, nous sommes venus chita, nous adorer, nous tendons message. Après, ça n'a pas qu'à nous. Est-ce qu'on avait même? Quand on a un petit groupe qui servit, mais that's it. C'est dans le contexte petit groupe, nous avons une chance pour nous prier les uns pour les autres. Nous avons une chance pour nous aimer les uns les autres. Est-ce qu'on avait même? Le dimanche matin, nous sommes venus, même pas une chance pour me remettre avec l'amour de Christ. L'homme remet avec l'amour de Christ, cela la passe un moment difficile et puis il joue moi pour le parler avec. L'homme remet avec l'amour de Christ, c'est lorsque gon situation qui veut mon et puis il pas connaît qui est pour la frapper pour lui, tant pour l'allemand de dehors et puis il joue avec des monde qui dans HBA et puis qui mettait main avec et puis est-ce qu'on remet qui soutient mon ça. Et bien vous les autres, c'est lorsque mon fin font erreur et puis il pas qu'à personne n'y pas qu'à raconter ça, il qu'à raconter groupe là dans erreur li, et puis malgré raconter la erreur li, la prochaine fois, yo pas garder lui en façon différente. Est-ce qu'on avait même? C'est dans contexte ça nous gagne chance pour nous remer les uns pour les autres. Dans contexte ça nous gagne chance pour nous prier les uns pour les autres. De temps en temps le dimanche matin nous qu'a fait quelques prières etc. ou bien le mercredi soir les réunis ensemble. Mais franchement mais nous fait ça occasionnellement le dimanche matin, nous fait ça pour quelques minutes le mercredi soir, mais l'un réuni un petit groupe, nous réellement des chances pour nous prier les uns pour les autres. Est-ce que vous commencez à comprendre le concept là? Honorez-vous les uns les autres. Donc cela veut dire, laissez tout commande ça qui va les uns les autres dans la Bible, formez une relation dynamique avec le monde chaque jour pour me capable de mettre en pratique. Et il y en a parmi les uns les autres, que moi remets, c'est verset qui dit pardonnez-vous les uns les autres. Ça est belle la gueule. Parce que l'on dans l'église comme ça, le dimanche matin, nous on est venu, nous adorer, après ça me prend moins, mal la caille moins, et pas de chance pour nous manquer de dégâts. Et manquer de dégâts, c'est un bon bagage. Parce que si on ne pas manquer de dégâts, si on ne pas blessé, si on ne pas de chance pour me pardonner. Ah, on ne pas comment ça va me dire là. Jésus dit comme ça, aimez vos ennemis. Mais l'homme qui fait ennemis, c'est un bon bagage. L'homme qui parle mal, c'est un bon bagage. Bon, si vous n'avez pas, si vous n'avez pas d'ennemis, pas de monde qui parle mal, quand vous avez une chance pour mettre la parole de Dieu en pratique, quand elle dit aimez vos ennemis, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là? Donc c'est un bon bagage. Ça est important. Mais le bagage, ça, c'est pendant que vous avez une interrelation avec vous. Il y a des gens qui disent moi-même, je ne veux pas entrer dans le bagage de l'église, je ne veux pas que vous parlez mal, je ne veux pas que vous. Moi, c'est pour raison ça même qu'il faut besoin. Amen. Vous parlez mal là, vous avez joué, vous avez gagné, et puis vous avez une chance vous-même. Pour monter dans l'autre dimension avec mon Dieu. Pour dire qu'on l'est, là, il te dit un bagage sous moi, je fais une nuit, je n'ai pas dormi, ça c'est les petits bébés dans la foi, mais qu'on a tellement parlé mal, il fait grandir, il met parlé mal, qu'on a mouflé, bien dormi, je dors avec un joie dans le cœur, parce que parler mal là fait grandir. Est-ce que nous avons dit, hein?
Eh bien, chers amis, nous avons une chance pour nous mettre toute bagage en pratique, pour nous aimer une autre, pardonner une autre, aider une autre, prier pour une autre, lorsque nous avons une relation, une avec l'autre, contact, une avec l'autre, interaction, une avec l'autre. Donc, toutes versets les uns les autres que nous voyons dans la Bible, chaque temps, ou prend Bible, ou tomber sur verset ça, ou à souligner, toutes versets ça, nous avons une chance pour nous mettre en pratique, lorsque nous rencontrons dans un contexte petit groupe qui est extrêmement important. Deuxième bagage, c'est également place idéale, bon, t'ai mentionné ça, mais m'a mentionné l'on catégorie pour continuer. C'est place idéale, non seulement pour nous faire devoir nous les uns vers les autres, mais c'est place idéale pour nous capables d'ouvrir l'un à l'autre, n'est-ce pas? Donc, la Bible Gombaga l'a dit, dans le livre de Jacques, c'est dans Jacques chapitre 4, il dit comme ça, confessez vos péchés les uns aux autres. Ça, c'est un contexte les uns aux autres. Okay? Confessez vos péchés les uns aux autres. Hein? Et puis, il dit comme ça, pour nous prier l'une pour l'autre. Maintenant, nous-mêmes, en tant que chrétiens évangéliques, nous ne pas confesser péchés dans le contexte catholique ou à devant Père pour confesser péchés. Vous comprenez? Ce n'est pas comme ça la Bible présente, mais la Bible encourage nous pour nous confesser péchés nous les uns envers les autres. Chers amis, nous besoin qu'on ait bon bagage qui est important. On pas dit yon moun pou an Calvini et puis pour approuver la vie ou toute bagage qui fait et puis pour an découvrir, vous mettez le dehors comme ça, vous parlez comme ça. On pas penser ça pour une, on pas penser le sage. Mais en même temps tout, il faut le dire. Gen péché ou gen la vie ou qui marre ou aussi longtemps on l'autre moun pas connaît, chaîne n'a pas jamais pété. Gen péché pour ça que fait ça. Parce que travail, regardez dans la Bible pour la première fois, la Bible identifie Satan avec ténèbres. Aussi longtemps que ténèbres, gros domaine dans la vie, aussi longtemps que ténèbres là-dedans, que fait noir là-dedans, que obscurité là-dedans, Satan a toujours opéré dans le domaine ça. C'est lorsque on prend le domaine ça, on met à la lumière, et puis pour dire mes faiblesses, moi, mais qui ça m'a gommé avec, à des frères et sœurs qui sont capables de faire confiance, et puis c'est laisse ça. Est-ce qu'on a aimé? Liberté à pop! Liberté à ouvert dans la vie. Donc, chers amis, nous devons comprendre ça. Comme moi, je ne dis pas que ça pour aller chita pour aller ouvert devant tout bas n'importe où. Parce que il y a des gens qui traitent. Il y a des gens qui racontent à fond. Et puis, c'est gardé, gardé. Lundi soir, on croise plus et puis on a signé. On apparaît et puis on a ces photos avec toute histoire qui va être signée. Ce n'est pas ça que je dis. Donc, vous comprenez? Donc, il y a des gens qui parlent. Nous sommes raconté l'histoire trois pasteurs qui rencontraient Yona Klopp, etc. Et puis tout chaque a confessé ses péchés. Et puis il y a une qui dit bon moi cacher péché comme du moi même gros problème jupe moi mes jupe de pour jupe va passer mon problème. Malgré nan pastora toujours, mais baga lâche ça beaucoup, j'aime qu'à contrôler. Et puis yon prie à l'autre, etc. etc. L'autre apparaît, et elle dit, moi-même, pas de problème, jupe, c'est problème l'argent. Depuis que quête la passée, l'argent entré, donc moi-même, je fais l'autre schéma avec l'argent. Etc. Elle dit, aide pour prier, et puis l'autre, finalement, le troisième nan qui était là, troisième nan, il faut un genre de silence. Monsieur dit, non, mais si nous tous parlons là, il faut parler. Qui problème? Bon, monsieur, c'est problème, pas de mentir, délicat. Et il m'a dit, mais quel problème? Bah, bon, il dit, on dit, tu es délicat. Il a commencé à fâcher parce que, ouais, chaque confessé deux gros péchés. Puis, monsieur, même pas voulu parler. Donc, il a dit, monsieur, bon, parlez. On va qu'à là, nous trois, et vous confessez, vous ne pouvez pas dire rien. Ah, bon, monsieur dit, moi, mon problème, pas monsieur, langue. Tout ça, ça me dit, mal raconté tout. Depuis que je parle là, je vais raconter tout. Donc, vous pouvez imaginer. Donc, veillez, je ne vais pas le raconter tout à fait parce que il y a un problème, c'est la langue. Je ne vais pas le raconter tout le bagage, mais je vais prier, je vais demander bon Dieu pour diriger des personnes de confiance, n'est-ce pas? Et les gens sont capables de dire ça, mais qui ça va pour ma belle, pour capable d'aider dans la prière. Est-ce qu'on avait même? Et contexte ça, nous faisons, les gens ne peuvent pas nous joindre dimanche matin comme ça. Est-ce que nous avons dit dimanche matin, on ne peut pas cacher comme ça. C'est lorsque pendant la semaine, ou des semaines, ou des mois, ou des années, ou vivre à mon nom, ou est-ce qu'on monde qui craint bon Dieu, ou est-ce qu'on monde qui connaît retenir bouche li, c'est type de monde ça l'offre habitué avec.
Est-ce que nous comprenons ce que je dis là? C'est pour finir habitué avec et puis mon monde comme ça. Il y a des gens qui sont dans l'église qui ont passé gros bagailles et puis pas personne pour parler. Parce que vous pas jamais fait une relation, vous pas jamais connecté avec un monde et puis mon monde a gros problème, gros chaillou. Et quelques bagailles, vous passez. Si vous pas de monde qui vous parle avec vous, regardez, ou quand ce soit fou, vous allez tout être. Mais il faut que le monde pour qu'achita pour parler avec. Est-ce que la même? Donc ça aide dans ce sens ça, nous avons des personnes qui sont capables d'ouvrir à eux-mêmes. Tout ça, yo, nous trouver, amitié ça, contact ça, amis ça, frères ça, soeurs ça, nous délivrer, nous joindre dans un contexte qui est plus petit, dans un contexte de small group, dans un contexte de cellule.